quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la taille des difficultés qui se présentent à toi, si tu as la foi, bien aimé, si tu as la foi. Moi, mon ami, j'avais souvent peur des sorciers, patati patata, j'avais souvent peur. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai compris vraiment à son explication, à ce qui concerne la foi. Je n'aurai jamais peur. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, oui, j'ai bien entendu. Dépasse-toi! Hey, Seigneur, j'ai trop faim maintenant. Aie pitié de moi. Depuis le matin, je n'ai pas encore bu. Hey, j'ai beaucoup de foi, j'ai beaucoup de foi. Le pasteur avait bien dit. Déplace-toi! Ah. Non! Ah! Déplace-toi! Mais attends! Hé! Il a commencé à mentir, hein? Je vais l'appeler. Oui, allô, pasteur! Oui, mon frère, c'est Daïsa. Comment allez-vous? Non, 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 pasteur, ça va pas, ça va pas. Eh, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous qui nous avez dit qu'avec la foi, on peut déplacer la montagne, non? Voilà, effectivement. Depuis le matin, je suis venu là. Oui, oui, quand tu nous as prêché là, je suis venu pour déplacer la montagne qui est sur la route là, qui part vers notre champ là. Jusqu'à présent, la montagne refuse de disparaître. Ah, pasteur, jusqu'à présent, hein? Vous les fidèles, là, vraiment, vous êtes difficiles. Un message qui était clair, on parlait de la foi, vous parlez comme ça. Donc, tu allais t'arrêter devant une montagne physique. Ah! Mais c'est pas comme ça, on se l'a dit. Quand on dit montagne, ce sont les difficultés de la vie, les portes de la vie, les gens qui ont été. C'est ça qu'on appelle montagne. Ah bon? Ce sont ces éléments-là que par ta foi, tu peux les déplacer. Ah bon? Une difficulté physique, avec des problèmes familiaux, des difficultés que tu as dans la vie, dès que ça se présente avec ta foi, tu peux les déplacer. Mais ce n'est pas dit d'aller t'arrêter devant une montagne, un rocher. Mais c'est pas ça. Mais pasteur, tu allais me dire ça? Tu allais me dire ça? Ok. J'ai compris, pasteur. J'ai compris. Ah ouais. Chaque jour couché à la maison, l'organisme aussi a besoin de se réchauffer. Aujourd'hui, je vais un peu me balader dans la brousse. Attention, je vais faire du chemin. Hein. Non, Dieu est vraiment merveilleux. Hein. Il a pu créer toutes ces choses-là. La verdure, regarde. Dieu est puissant vraiment. Hein. Ces beaux fleurs, la fleur. Jésus. Mais c'est quoi ça encore? Mais je ne dois pas avoir peur. Le pasteur a dit autrefois que par la foi, on peut chercher tout ce qui peut nous faire peur. Mais je vois quelque chose rouge là-bas. Par la foi, quitte là-bas.
Par la foi. Par la foi, quitte là-bas. Au nom de Jésus, par la foi. Je suis foutu aujourd'hui. Un pasteur au secours. La foi refuse de faire disparaître la chose là. Yo, je suis foutu. La route est balée, la foi refuse. Le pasteur nous a menti. Pasteur. David, tu m'avais pas dit que tu n'auras plus peur. Les gars, la sueur qui court sur toi comme ça. Les gars, un simple habit comme ça, toi tu as peur. En disant que tu as la foi. Mais mon ami, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai trop souffert ici. Tu devrais pas me faire ça quand même. Non, mon ami, c'était pour éprouver ta foi. Oui, bien sûr que je t'ai dit ça, mon ami. Mais cela ne devrait pas t'amener à me faire ça aujourd'hui. Regarde, tu as même uriné. Mais c'est toi qui as provoqué tout ça. Tu devrais pas me faire ça quand même. C'est pas bon. Non. C'est bizarre ça. Oh, mon ami.